tombé devant. Il manque qu'elle est beau. Magnon d'idée, pour anomède. Magnon d'idée. Tout ce temps, nous sommes restés ensemble malgré les hauts et les bas, pour quelques raisons. La première raison, c'était l'union guidée par un esprit de groupe. Nous avons quelque chose à partager ensemble. Depuis le début, nous nous sommes mis ensemble, tout jeunes, naïfs. Nous avons pensé partager la passion que nous avions en commun, c'était la musique. Nous nous sommes mis, j'espère que cette passion nous a gardé, a été le socle de l'union du groupe jusqu'à aujourd'hui. La diversité culturelle. Nous sommes un certain nombre de musiciens composant le groupe et chacun venant d'horizons divers, les cultures, les ethnies différentes de l'une et de l'autre, nous avons convergé vers un centre commun. Nous nous sommes dit, toutes ces expériences cumulées, si nous pouvons sortir de ces différents horizons, quelque chose de fondamental, ce serait bien. Et puis, ça a été la réalité, le fait que chacun a apporté quelque chose à l'édification du groupe, à l'enracinement du groupe, nous consolide et ne nous permet pas de quitter, de se laisser. On a bâti quelque chose ensemble, nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. En fait, nous avons eu deux principaux blocages qui ont fait que nous ne sommes pas allés en Europe ni dans un pays occidental. Au départ, nous avions un producteur de disques qui s'appelait Alvaro Castor, qui était très jaloux de nous posséder. En aucun cas nous perdre. Aussi, des occasions se sont offertes à nous plusieurs fois pour aller à l'extérieur, en Europe. Mais il a toujours bloqué ces opportunités-là parce que craignant qu'une fois à l'extérieur, les gens allaient nous ouvrir les yeux et qu'on allait le laisser tomber. Ça a été le premier blocage. Le deuxième blocage, c'est par rapport à la révolution que nous avons connue. Notre pays, le Bénin, a connu une révolution qui a duré une vingtaine d'années environ. Et autour de notre pays, il n'y avait pas un seul pays qui épousait cette idéologie marxiste-léniniste. Et ça a contribué aussi à nous bloquer à sortir. Même aller dans les pays limitrophes était difficile parce que le marxisme-léninisme n'était pas connu, n'était pas apprécié par ces pays-là. Et ne voulait pas que nous venions les contaminer. Surtout qu'à l'époque, le polyrythme était connu pour être l'orchestre national. De fait, l'État nous a utilisé toutes ces années-là pour véhiculer, pour porter au mieux
l'idéologie qu'il véhiculait. Donc nous étions très impliqués dans la révolution, dans l'idéologie marxiste. Nous chantions la gloire de la révolution. Ça ne plaisait pas trop aux autres. Et vous voyez, on était tout le temps en train d'insulter les colonialistes. Vous voulez qu'ils acceptent de nous recevoir pour venir chanter ça chez eux? C'était le second blocage que nous avons quand même. Impression merveilleuse parce que un public très chaleureux, très amical. On se croyait à Cotonou parce que les gens étaient très 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 sympathiques. On les a connus à Venlo, où on a fait notre premier spectacle en Hollande. Après nous avons fait Nijmegen. Mais c'était d'un public à un autre, c'était une chaleur différente qu'on rencontrait. C'était bien. Et pourquoi ne pas partager cette chaleur avec le peuple hollandais autant que nous pouvons.